Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 18 février. Hier, nous étions dans l'hémicycle jusqu'à minuit. Nous n'avons travaillé que sur le titre du projet de réforme de retraite, à savoir le titre, le régime universel. Alors, que s'est-il passé hier dans l'hémicycle? Eh bien, nous avons eu l'application de l'article 61, du règlement de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'un président de groupe politique qui a la moitié de ses députés présents, donc la majorité, peut demander à ce qu'on applique le quorum dans l'hémicycle. Cela veut dire que l'on doit avoir 289 députés physiquement présents pour voter. Si nous n'avons pas 289 députés présents pour voter, eh bien à ce moment-là, il y a une suspension de la séance. Cette suspension dure 15 minutes. 15 minutes. Après ces 15 minutes, eh bien, nous pouvons à ce moment-là procéder au vote, et ce, quel que soit le nombre de députés présents dans l'hémicycle. Il faut savoir que l'article 61 permet à chaque groupe politique, et il y a 8 groupes politiques à l'Assemblée nationale, de demander maximum une fois par jour l'application du quorum. Donc hier, nous avons terminé notre séance à minuit et nous n'avons quasiment pas avancé, alors que nous sommes déterminés à avoir des débats et des débats sur le fond. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle anecdote. Au revoir.